Attention. Madame la conseillère d'État en charge du département de l'économie et de l'emploi. Je suis là. Monsieur le conseiller administratif de la commune de Plan-les-Ouates. Je suis là. Monsieur le directeur de la FTI. Bon, je le dis. Messieurs les anciens présidents de la Ziplo. Mesdames, messieurs les anciens membres des comités. Chers membres, chers partenaires, chers amis. La Ziplo souffle aujourd'hui ses 20 bougies avec vous et regarde devant pour s'engager de façon pérenne à vos côtés dans l'avenir. Vive la Ziplo et à dans 10 ans. Merci de votre attention. Sincères félicitations à tous ses membres, à son comité, à ses présidents passés, présents et futurs, on peut l'anticiper un petit peu. L'existence d'une association d'entreprises telle que la Ziplo est fondamentale pour la vie d'une zone industrielle. Voilà, bravo, bravo pour tout le travail réalisé, bravo pour vos plus de 140 membres, bravo pour ce 20e anniversaire et la dynamique actuelle. Encore une fois, la qualité des échanges et du dialogue est excellente et très importante pour nous. Donc longue vie à votre association et longue vie à toute la zone. Merci. Tout d'abord, c'est le plaisir d'être là avec vous et d'avoir pu répondre à l'invitation de la Ziplo, 20 ans déjà, et c'est à plusieurs titres. Passé, présent, avenir. Sur le passé, c'est de se souvenir que dans les années 60, personne ne voulait d'une zone industrielle ici. Personne ne la voulait. La commune de Plan-les-Ouates, dans cette collaboration avec la Ziplo, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Parce que les échanges sont particulièrement chaleureux et particulièrement bons et en confiance. Et je remercie son président actuel et tout son comité, qui vient de changer pour une certaine partie. Donc je salue aussi les anciens de son comité pour la collaboration et l'avancée de cette zone industrielle. Les enjeux sont énormes. La transformation de cette zone industrielle n'est pas terminée. Le tram va arriver enfin en décembre 2023. Et ensuite, ce sera le développement du quartier des Cherpines dans les habitations. Qui vont arriver. Je tenais à vous dire que c'est un plaisir, mais aussi un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour fêter ce 20e anniversaire de la Ziplo. Je souhaite tout d'abord souligner l'importance de l'industrie pour notre canton. C'est un pilier de notre économie qui génère des emplois, qui stimule la croissance et qui favorise l'innovation. Je m'engagerai toujours à vos côtés avec deux mots d'ordre. Convaincre plutôt que contraindre et surtout savoir vous faire confiance. Il est à présent temps de fêter ce 20e anniversaire, un anniversaire qui marque tout le travail effectué avec passion et conviction par M. Kernon, par ses prédécesseurs, par le comité et par l'ensemble des membres de la Ziplo. Je tiens tous à vous féliciter, à vous remercier pour votre engagement qui est d'une importance cruciale pour le développement de notre canton. Bel anniversaire, très belle fête et surtout longue vie à la Ziplo.